Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Le Show du Câble. Et comme à l'habitude, on commence avec notre petite tournée de l'actualité en compagnie du brillant Louis-Charles Poulin de TC Média et du journal Le Bulletin. Bonsoir, Louis-Charles. Bonsoir, j'ai une promotion, le brillant. Brillant, oui. Avec toutes les lumières, tu sais. Ah, OK, c'est pour ça. Écoute, on va parler en premier de, évidemment, les inondations. Et là, c'est maintenant le temps du grand ménage. Oui, donc il y a une grande corvée de solidarité qui est annoncée là, en fin de semaine. Ça consiste à une opération là, de ramassage de sacs de sable dans les endroits qui ont été inondés là, par ces inondations historiques. Pour les questions de sécurité, on demande à ce que les bénévoles soient âgés de 16 ans et plus. Il faut s'attendre, si on va faire la corvée, là, à travailler quand même assez fort physiquement. Des sacs de sable qu'on Parce va devoir... Ils sont mouillés, là, les sacs ouais, sont plus lourds. C'est ça, donc on doit s'attendre à les transporter. Là, on parle que les gens vont faire un effort physique peut-être de 2h30. Là, il y a 4 blocs d'environ 4 heures. Donc, on demande aux gens de se présenter. Là, il y a des lieux de rassemblement. Donc, de ne pas aller tout de suite là, sur les rues là, qui ont besoin de faire le nettoyage, de se rendre dans les points de rassemblement. Masson-Angers, c'est le centre Robert-Rochon. À partir d'aller voir des autobus disponibles pour amener les gens là, vers les lieux où on doit faire le nettoyage. Fait que dans le fond, il faut être en forme. Oui, moi, je pourrais pas parce que... m'étais pété les côtes, là, mais en tout cas. je veux te parler aussi, sur la 148, là, oui. je comprends pas trop, les gens sont fous ou c'est quoi qui se passe sur la 148? Donc, c'est la 148 en folie. Donc, okay. Ça consiste à une méga vente de garage qui a lieu dans les municipalités de qui sont sur la route 148, là, partant de Grenville-sur-la-Roue jusqu'à Masson-Angers. Ça se passe en fin de semaine, samedi, dimanche. Méchant gros garage. Ouais. Fait que tout le monde est invité là, à aller vendre leurs trucs. Il doit y avoir plusieurs choses intéressantes à trouver. Puis, en plus de cette vente de garage-là, il va y avoir des activités que chaque municipalité organise. À Masson-Angers, on va avoir droit à une chasse au trésor avec comme thème Masson-Angers, plaque tournante du bois. Barbecue, prix de présence aussi sont prévus. Plein d'autres municipalités, comme j'ai mentionné, là, à Le Cabreux, Canton, on va voir les pompiers sur place, Montebello, voir du maquillage, structure gonflable, ballon pour les enfants. À Plaisance, on parle de vente de pâtisserie, souper spaghetti, fèves au lard. Facette Notre-Dame de Bon Secours, avoir une roue de fortune. Donc, il y a plusieurs activités, là, puis là, j'en ai nommé quelques-unes, mais ça se passe dans toutes les municipalités, samedi et dimanche. Puis, il va y avoir des trucs probablement fort intéressants là, dans les ventes de garage. J'aime ça, les ventes de pâtisserie. Mais ils font ça chaque année, hein, la 148 en folie. Oui, je crois que c'est un événement là, qui se fait à chaque année. Peut-être qu'on pourrait trouver des télévisions, là, trouver une nouvelle télévision parce que la tienne ne fonctionne plus. Tout à fait. Non, elle a sauté, ma télé. C'est pour ça que vous ne voyez plus rien dedans parce qu'elle ne fonctionne plus, mais elle a quand même un peu d'art. Ben, je vais être là sur la 148 en folie. Si j'en vois une, je vais t'appeler ou je vais toujours voir si on a les budgets pour l'acheter. Envoyez-moi une télé plasma, c'est dommage. Dernier sujet, on va parler de nos fameuses tours d'eau à Masson-Angers sur le territoire de Brookfield. Oui. Là, il va arriver quelque chose de spécial avec ça. Ben, ça va être le plus grand événement là, qui s'est jamais produit là, à Masson-Angers. C'est ce que promet là, la Corporation de développement touristique de la Basse-Lièvre qui organise l'événement. Dans le fond, ils vont illuminer les deux cheminées d'équilibre pour faire en sorte que ça devienne vraiment l'emblème du secteur, que les gens soient fiers. Ça se passe le 27 mai. Ça commence à 16h, les festivités, là, devant l'église Notre-Dame-des-Neiges à Masson. À 19h, on a un spectacle assez particulier. Dans le fond, le spectacle de Disco Fever Experience.
qu'il va falloir avoir un casque d'écoute pour entendre la musique, sinon... On dérangera pas les voisins. On dérangera pas les voisins. Dans le fond, un spectacle sans décibels, ils disent que c'est un concept qui est nouveau, en primeur, dans le secteur. Puis à 21h, c'est là que les deux cheminées d'équilibre vont être illuminées avec les lumières d'ailes, des millions de lumières. Puis ils disent, dans le fond, c'est la même technologie que le pont Golden Gate à San Francisco. Puis c'est une illumination là, aussi qui est permanente. Donc ça va être illuminé après 365 jours par année. Puis on va pouvoir changer les couleurs. À Noël, on parle peut-être de mettre ça en vert, en rouge. Fait que... Ça aussi, ça va être brillant. Ça va être brillant. Merci beaucoup, Louis-Charles. Je te souhaite un beau week-end, même si tu travailles pendant la longue fête de semaine. Oui, merci. Ce soir à l'émission, mesdames, messieurs, on reçoit Hugo Parisien du Carrefour culturel L'Estacade et évidemment, M. Dick Lauzon. Notre premier invité à l'émission ce soir, c'est une légende dans la région. Je suis donc content de l'avoir avec moi. Dick Lauzon, mon oncle Dick. Bonsoir. Salut Martin, ça va bien? Ça va bien. C'est juste que ça a changé, question de cheveux, ces choses-là. Ça, c'est le même gars. Ben écoute, moi aussi, tu sais, je commence à changer ouais, avec la. Mais tu étais très jeune, on s'entend. En temps de CJFC, tu étais un petit gars. C'était un petit gars. T'sais, moi, j'étais un mononcle, j'étais encore un mononcle. On s'entend là-dessus. Je voulais te demander, comment tu vas? Ça va bien. Oui? Ça va bien. Je suis bien entouré. Écoute, on vieillit, c'est sûr. Puis regarde, j'ai perdu des bons chums, j'ai perdu du Charbrou, on a perdu, c'est normal, parce qu'en vieillissant, c'est ce qui arrive. Mais je suis tellement bien entouré familialement. J'ai mon épouse Lucie qui est extraordinaire, qui me soutient, qui est assistante professionnelle de golf. Elle est là à côté, il faut que je fasse attention. Ouais. Non, elle est super. Donc, tu sais, une belle famille, des bons enfants, si tu veux, si tu veux. De ce côté-là, ça va bien. Du côté, j'ai découvert la peinture. Ça, c'est une découverte extraordinaire. Encore, c'est grâce à elle. On enseignait en Floride, et à un certain moment donné, tu sais, tu viens à un moment donné dans la vie, tu fais quelque chose, tu viens comme... Ouais. Là, ouais. Ça a dépassé un peu. Là. Mm-hmm. Alors, je disais, Lucie, il faut que je fasse autre chose. Elle dit, garde, tu étais bon en dessin quand tu étais jeune. Pourquoi tu. Tu sais, il y a un monsieur ici qui enseigne la peinture. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Puis, j'ai peut-être une bonne idée. Je m'en vais voir le peintre en question. Il donnait des cours. Puis, je dis, moi, j'aimerais ça apprendre. J'aimerais ça voir ce que tu fais. Il dit, asseyez-vous, on va donner une petite toile. On est une quinzaine. Et là, il dit, vous allez me suivre. Je ne suis pas un suiveur, moi. Je suis en aigle. On commence, puis là, je vois, puis là, je commence à peindre. Mais je regarde un petit peu de temps en temps, puis je peins. Il arrive en arrière de moi, puis il dit, « Tu peins, toi. T'as déjà fait ça, jamais de la vie. » Ah, fait qu'il vous croyait pas. Il me tape sur l'épaule. Hein? Il me tape sur l'épaule, puis il me dit, « Reste pas ici. Va-t'en. Achète-toi de la peinture. Achète-toi des toiles. T'es naturel. » Et là, je le regarde, mais voyons, non, arrête là, je veux-tu avoir de l'argent ou quelque chose? C'est ça? T'sais? Non, non, non. Puis il dit, « L'an prochain, tu vas m'en montrer. » Okay. Alors, je suis parti. J'ai fait une dépense folle de 700 $ à peu près, que j'aurais pas pour dû faire. Mais ben, c'est ça, je dis, garde. Je suis parti fou. J'aime ça. C'est naturel pour moi. L'année suivante, je suis revenu, j'ai enseigné avec lui, puis je lui ai enseigné. Il y a des choses que lui ne pouvait pas faire, que moi, j'avais cultivées. Tu sais. Moi, je fais j'appelle ça huile sur huile. Donc, okay. C'est facile. Ce sont des peintures qui sont très faciles à faire parce que tu fais une erreur, tu peux la corriger. Tu sais, il y a des peintures, par exemple, comme on regarde comme Jean-Yves Guindon, qui est un peintre extraordinaire aussi. Jean-Yves oui. est international. Jean-Yves, c'est... Puis on se rappelle toujours que Jean-Yves, quand on s'est rencontrés la première fois, moi, je suis professionnel de golf à Montpellier. Oui. Et Jean-Yves arrive avec une présentation d'une toile, là, tout le monde. Et Jean-Yves, c'est Jean-Yves. Ben, mais oui. moi, j'avais pas fait... La relation, Jean-Yves Guindon, caméraman, Atelier 3 Gatineau, oui. moi, animateur de golf. C'est ça, ça là, je me rappelle. Il dit, Dick, comment vas-tu? Je dis, ben oui. Je dis, ben Dick, voyons, j'étais ton caméraman. Ben voyons donc. Là c'est revenu, tu sais, tu sais, c'est incroyable. Le monde est petit. Hein? Ah, le monde est petit. Alors, l'huile sur l'huile, c'est ça. Ce sont des peintures qui sont très intéressantes à faire. Et aussi, n'importe qui peut apprendre ça. N'importe qui peut apprendre ça. À cause de ça. Puis là, c'est ça, je vais aller dans l'enseignement de ça l'hiver. Puis on va garder le golf pour l'été, l'enseignement du golf de temps en temps, là, tu sais, pour avoir du plaisir avec mon épouse. C'est ça. Je veux te parler de tes années radio. Mm-hmm. Dans ce temps-là, justement, tu mentionnais Richard Proulx, toi. Vous aviez du fun dans ta barbouche. Oh. Raconte-moi quelque chose de ces années-là. Oh oui. Je vais t'en raconter. La meilleure. OK. La meilleure, c'est que, du temps où on était plus jeune, Richard Proulx, il était reconnu comme moi un petit peu. On prenait un petit coup. Oh, on avait du fun. Puis un soir, que Richard m'invite chez lui, puis il me dit, pour nous autres, on commençait à 5 h le matin.
Richard m'invite puis il me dit « Dick, viens souper avec moi, on va souper ensemble, après ça on va jaser, parce qu'on était vraiment amis, tu sais. » Alors je m'en vais le trouver à Gatineau, là, chez lui, et on se met à souper ensemble, petite bouteille de vin, on tombe dans le scotch, commence à jaser, il est rendu 2 heures du matin. Là, à 2 heures du matin… Plus que scotch, plus que ça jase. Oui, bien c'est ça. À 2 heures du matin, à la porte… J'ai dit, Richard, écoute, peut-être la police. Pourtant, on n'a même pas de bruit. Si on n'est pas. Il ouvre la porte, et là, vous ne croirez pas ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité, là. OK. OK, là. Un Krishna. Hare Krishna, Hare Halo, Malahal, avec des petites torches. À 2 heures du matin. À 2 heures du matin. OK. Je sais, comment est-ce qu'il est arrivé là? Mais là, Richard, on est pris un petit coup, il fait rentrer. OK. Puis là, Richard lui demande de nous montrer ses chansons. Faut t'imaginer. On est parti de chez Richard. On a laissé aller le monsieur. Richard, il a donné 200 $ Okay. Il a donné, fait un don de 200 $ au Krishna avec sa robe rouge puis rose, tout le kit, là, puis avec ses petites clochettes. Là. Moi, ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Puis là, on arrive en arrangé? Absolument pas. Là. Je te dis, c'est vraiment arrivé comme ça. Et là, on arrive. Mais nous, on part de chez Richard 4h15. On s'en vend donc, là, nous autres. Ouais, ouais. Mais un petit peu pompette. Oui, ça va bien? Oui. Richard dit qu'il faut faire attention. Je garde bien, là. Première chose qu'on fait, là, on joue les gossous. Tu sais, on avait toujours des jokes. Ouais, ouais. Bon, c'était toujours des. Bon, on faisait des sketchs. Je dis à Richard, c'est sûr qu'il faut faire ça, là. Ouais. On est parti comme ça, puis jamais personne ne s'en était aperçu. Même que le patron qui était Jean-Guy Gourlay, salut Jean-Guy, qui lui est venu le matin et dit « Bon, les gars, c'est bon! » C'est bon, bon, c'est bon hein? À matin. C'est bon à matin. Ça, ça en est une bonne anecdote. T'ennuies-tu de la radio? Non. Non? Tu sais... C'est parce que moi, comme auditeur, là, à un moment donné, de la façon... C'est que j'écoutais Richard, là, oups, vous n'êtes plus là tout d'un coup. La radio, ça change des fois. Puis tu n'as pas un goût du micro. Oui, bien, tu l'as toujours. Ouais. Tu sais, moi, je suis... Je suis un motivateur, je suis un gars de fun, je suis un gars qui... Moi, le négatif, j'aime pas ça. C'est moi, ça. Ça va mal, ben ça va aller mieux. Puis ça, j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup avec mon épouse Lucie. Elle m'enseigne ça, Lucie. Regarde, quand ça va pas bien, quand je vais aller mieux tantôt. Puis je suis habitué à ça. Puis c'est ça. C'est ça qui a fait, ça qui m'appelait mon oncle. Puis moi, j'étais ricaneux en ondes. Je riais comme un fou. Moi, j'avais du fun. Parce que moi, j'étais pas un gars de radio. Tu sais, je suis un professionnel de golf qu'on vient chercher, puis qu'on dit, toi, tu serais bon à radio, puis on amène. C'était parachuté, là. Moi, j'ai été parachuté là-dedans. Mais j'ai fait ça pendant 18 ans, donc parachute était bon. Hein? Dirais-tu que ces années-là de radio, là, c'était les meilleures années de radio? Oui, c'était les meilleures. Ouais. Plus de liberté, OK, puis les salaires étaient comme très bons. Puis plus proche des gens, peut-être? Bien, on était... Moi, j'avais la caravane, du temps où j'avais la grosse caravane, l'autobus, puis je me promenais, je faisais tout. J'allais partout. La promotion? C'est exact. 7 jours par semaine, mon oncle avec le camion, puis on partait, puis on allait voir les gens, puis on donnait des cadeaux. Il y avait beaucoup d'argent qui roulait dans ce temps-là. C'était pas comme aujourd'hui. T'sais? Mais aujourd'hui, je regarde un gars comme Michel Lapointe qui est là le matin. Oui, puis Michel, c'était un mon chum. Oncle Mike. Ben oui, ben lui, et puis moi, je le sais. Parce que, écoute, écoute, c'était mon oncle Dick, puis lui, il est là au sport. Michel était là au sport. C'est ça. T'sais, c'était un kid, là. C'était vraiment un kid. Et je vois Michel, je l'ai pas vu depuis ce temps-là. Je l'entends, mais j'ai vu des photos où je vois Michel avec la barbe blanche. Voyons, non, c'est moi qui ai passé tout droit. Ouais. Probablement que je suis rendu trop loin. Michel, il a rendu mon oncle. Tabarouette, ça va pas bien. Mon oncle Dick. Puis là, tu as fait aussi de la télé, comme tu disais, à Télé 3, une émission que je me rappelle qui s'appelait Le Golf Facile parce que tu tripes golf. Effectivement. Ben, c'est ça. J'ai toujours été dans le golf. C'était ma vie, le golf. Et alors, lorsque je suis allé aux États-Unis, j'ai passé des licences américaines qui appellent. J'étais membre de PGA. Après ça, je suis allé aux États-Unis, j'ai passé USGTF, qui est United States Golf Teachers Federation, pour enseigner là-bas. Après ça, j'ai passé World Golf Teachers Federation. T'sais, après ça, je suis devenu master avec Callaway, ce qu'ils appellent master fitter, c'est en anglais, mais c'est les bâtons faits sur mesure. Bon. OK. OK, j'ai une maîtrise là-dedans avec Callaway. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vais revenir un peu là-dedans, le golf, pour dire aux gens, avant d'acheter, soyez prudents. Soyez prudents, parce que la pire chose que tu peux faire, c'est de dépenser 500 $. Aujourd'hui, c'est rendu ça, là. C'est cher. Un bâton de départ, un driver qu'on appelle communément, là. Pensez-y 2 minutes, là. C'est 5 à 700 $ automatique. C'est automatique, ça, là. Mais est-ce que c'est le bon pour toi? Toi, tu ne sais pas, ça. Le vendeur peut te dire il est très bon, puis il est très beau, puis on va avoir un écran, puis on va te faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça du tout, du tout. Il faut expliquer ça aux gens.
Puis c'est ça, là, je m'enligne là-dessus. Là. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Oui, oui, je sais que ça se pourrait quand on te revoit télé un jour. Hein? Ouais. Mais ça se peut-tu du monde qui s'achète un gros kit de golf puis que finalement, il n'aime pas ça puis il laisse faire? Oui. Ouais. Puis les gens riches. Les gens riches. Oui, donc ça arrive. Hein? Non, mais il y a des gens qui ça ne leur fait rien de dépenser. Bon, ils m'ont dépensé pour ça. Ils m'ont dit, regarde, ça coûte. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Si tu veux avoir un beau kit, un bon kit, il faut que tu penses là, à 4 000. OK. Oh, oui, oui. Honnêtement, là, je parle d'un profit qu'on appelle, là, fait sur mesure, là, c'est rendu ça. Parce que, écoute, il faut toujours regarder la différence d'argent entre l'argent canadien et l'argent américain. Oui. Il y a 40 % 40 % là, présentement. C'est ça. Alors, si eux autres, ça coûte 100 $ là-bas, ici, c'est 140. Mais si tu multiplies ça pour 500, c'est 4 fois 5, 20, c'est 500 plus 200, c'est là qui est rendu à 700. Mon oncle, Dick, l'émission est quasiment finie. J'aimerais juste que, si les gens veulent voir tes toiles, là, est-ce qu'il y a une façon? Écoute, j'ai fait une exposition, si je me rappelle bien, il y a peut-être un mois à peu près. Je fais des expositions ici et là. Mais les gens, s'il y a des gens qui veulent voir, mais ben, écoute, on peut m'appeler. On veut m'appeler. Moi, j'ai chez nous, je pense que Lucie, c'est plus où les pendre. Là, parce que je pense que j'en ai 30 chez lui dans la maison, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est le bon, mais les regarder au plafond, même ça va mal. Fait que, mais ça va bien, la vente est bonne. Puis, mais tu sais, moi, je fais du naturel. Moi, j'ai travaillé à peu près 5 ans à l'Ouest canadien. J'ai vu les montagnes. Ouais, ouais, moi, je suis un gars de montagne. Moi, je suis un gars réel. Ouais. Et toi, tu ne les as pas vus encore, mais tu vas les voir tantôt. Tu les vois de ce côté-là. Là. Hey, mon oncle dit que c'est déjà fini. C'est merci plate, hein? Beaucoup, mais on se reparlera pour les peintures aussi, puis on te fera de l'annonce. Ça va me faire plaisir. Voici maintenant la pensée de la semaine. Lundi, ce sera la fête de la reine. Alors, nos salutations à Françoise Boivin, la reine de la TVC. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de L'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur les toiles de Dick Lauzon, vous pouvez aller voir son Facebook, c'est Richard Dick Lauzon. Notre prochain invité à l'émission, super content de l'avoir ici, c'est une boule d'énergie dans la région, c'est le directeur général du Carrefour culturel L'Estacade, M. Hugo Parisien. Bonsoir. Bonsoir, Martin. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Coudonc, ça fait combien d'années que tu es au Carrefour culturel L'Estacade? Ça doit faire, j'estime, à 13 ans. Oui, 13 ans. Je suis là depuis l'ouverture. Donc, t'as j'ai... Ah, ça paraît peut-être pas, je le cache bien. J'ai passé la trentaine avancée. Oui, j'ai commencé, j'avais 22 ans. J'enseignais à l'époque à la commission scolaire au Cœur des Vallées à titre d'enseignant en sciences. Puis j'avais un bagage un peu culturel derrière moi. Et j'ai payé mes études avec l'enseignement. Et ceci étant dit, quand on a ouvert le poste à l'Estacade, je suis arrivé, j'ai sauté à pieds joints dans le projet. 3 jours semaine au début. Et là, actuellement, bien, l'équipe qui s'est mise en place. Là. Parce qu'il y a une différence entre enseigner puis être DG d'un carrefour culturel, qu'est-ce qui t'a amené là? Bien, il y a une différence, oui, mais il y a quand même des corrélations pareilles, parce que au point de vue de l'organisation de tout ça, là, il y a des choses qui sont similaires. Mais j'avais pas fait mes études en enseignement. J'avais fait ma pré-médecine à l'époque pour pouvoir m'en aller en médecine. J'ai décidé de ne pas faire de la médecine. J'avais été refusé à Ottawa, j'avais été accepté à Sherbrooke. Ça m'avait remis en question. Je dis non, je vais faire de la culture. Quand j'ai vu le poste culturel, je trouvais que c'était pas mal plus ma couleur que d'être enfermé dans un cubicule, là, évidemment. Parce que faire la médecine, il faut être aussi patient. Oui, effectivement. Et dans mon cas, il faut me trouver quelque chose à faire. Là. C'est ça? Oui, effectivement. Il y en a amplement à l'Estacade à faire. La production de l'ensemble des événements, c'est un charme. On est tout le temps occupé, puis ça fait aller la créativité. Étant donné que tu es dynamique au coton, est-ce que ta gang a de la misère à te suivre? Bien, non seulement, je dirais qu'on est dynamique au coton, c'est-à-dire qu'une chance qu'ils sont capables de me suivre parce que je déplace l'air. On a des bureaux ouverts à l'intérieur de l'Estacade. Les bureaux ne sont pas fermés tant qu'on n'aura pas le financement pour changer les bancs et tout ça. Ouais. Ça vient ensemble. Et vous comprendrez que c'est une nécessité d'avoir des bureaux fermés éventuellement. Mais par contre... Redis-le, le financement, c'est ça? Financement. C'est important, ça? Oui, effectivement, ouais. De la part du gouvernement du Québec, là, c'est très important, cette partie-là. Merci, puis on pourra y revenir tout à l'heure, sans aucun problème. Mais actuellement, le bureau, il est ouvert. Les employés sont là, m'entendent à journée longue, mais sont bien habitués parce que, au point de vue physique... Ils ont des casques d'écoute.
Bien, limitrophe à nous, on a une harmonie qui oui, joue. C'est vrai. Et on s'entend qu'en début d'année, ils ne savent pas jouer de l'instrument. C'est merveilleux ce que Mme Ouellette, qui est juste en face de nous, comme professeure de musique, peut faire avec ses élèves-là, parce qu'en fin d'année, on se retrouve avec une harmonie complète qui nous joue à tous les jours. C'est génial. Mais en début d'année, il peut y avoir quelques fausses notes, on ne se le cachera pas. Et de l'autre côté, c'est un local de danse et la poutre est juste attachée sur le mur de notre bureau. Donc, bang, bang. Effectivement. Donc, ils sont déjà préparés mentalement à me recevoir, malgré le fait que je sois là ou pas. Oui, il y a du bruit dans ce bureau-là, ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, ça rappelle tout le temps notre raison d'être, c'est-à-dire que 60 % des activités qui vont être faites à l'intérieur de la salle des jardins, c'est pour ces jeunes-là. Et on se rappelle tout le temps pourquoi on est là. C'est sûr que ces heures de dîner, tout ça, on a 2000 élèves qui nous tournent autour et ça nous rappelle constamment notre essence, la raison d'être du Carrefour culturel. Tout ça, c'est bien important pour nous. Ils viennent-tu vous voir souvent, les étudiants? Les élèves, bien, effectivement, on leur octroie autant de services qu'à la population générale. C'est-à-dire que une des missions premières de l'Estacade, c'est de desservir la culture de sa communauté. Dans ce contexte-là, bien, on se retrouve avec des fois, on se retrouve avec les Denis de Relais, etc., mais on se retrouve avec les élèves qui sont là, qui produisent des... Exemple, dans le programme international, on se retrouve avec des projets intégrateurs qui sont là, et c'est les élèves, on veut faire de bons adultes pour demain, donc ils viennent négocier leurs besoins et tous les éléments qui sont à mettre en place pour la réussite d'un spectacle, ils le comprennent, puis on trouve ça le fun, l'apprentissage que ça peut leur donner, parce que souvent, on n'a pas tendance à évaluer les besoins techniques puis tout ce qui tourne autour de la production d'un événement. Ils ont grand cœur, par contre, les élèves. C'est-à-dire qu'à la base, c'est tout le temps soit pour ramasser de l'argent pour une bonne cause ou quoi que ce soit. Et quand ils ont dessiné tout ça, après ça, bien, ils voient l'ampleur de l'organisation, la publicité qui tourne autour de ça. Bref, on est là pour les accompagner au même titre qu'on accompagne nos groupes de la communauté de la relève culturelle. On est là pour ça. Ça demande un certain temps, l'Estacade, parce que quand on fait affaire avec un professionnel, ils vont tout de suite savoir la largeur de la porte. Mais quand on se retrouve avec un groupe scolaire, des fois, on va avoir besoin d'une chainsaw parce que le décor n'entre pas dans la scène. Donc, c'est tous des défis qu'on va faire face. Tout le monde ensemble, on va leur donner un soutien. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils soient le moins stressés possible avant le début de leur événement. Moi, j'aimerais ça juste une petite question potinage. Tu sais, quand vous recevez des vedettes, là, des personnalités connues, là, sans nommer de nom, il y en a-tu qui ont des exigences particulières? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des artistes difficiles? Je dirais que oui, mais je dirais que la majorité sont très ouverts d'esprit. C'est-à-dire que on va recevoir un devis technique et c'est dans le meilleur des mondes qu'on va avoir les besoins de la loge à l'intérieur de tout ça. Évidemment, on va comprendre que il y en a qui vont mettre des sandwichs pas de croûte, il y en a qui vont mettre du caviar fumé, mais je dirais que la majorité des artistes au Québec suffit d'un échange au téléphone pour regarder ce qui est réellement nécessaire à la réussite de leur événement. Puis il ne faut pas oublier que dans le respect des artistes, il y a souvent une routine avant le spectacle. On dit que Céline mange son biscuit soda avant son spectacle. Mais c'est ça. Fait qu'on ne chicanera pas sur le fait que Céline a besoin de son biscuit soda. Ça va-tu jouer sa performance de son spectacle? Ce qu'on veut pour les gens, c'est le meilleur spectacle disponible sur le terrain, puis la meilleure prestation de l'artiste à ce moment-là. Donc, on va l'accompagner et on va courir partout pour aller chercher ses besoins. Parce que pour ce moment-là, dans notre tête à nous, pour toute l'équipe, c'est d'assurer que le spectateur puisse vivre le meilleur moment. Et pour nous, c'est la réponse aux besoins de l'artiste, ça va de soi. L'année passée, Buckingham en fête, vous n'avez pas été chanceux, il a mouillé au coton 2-3 jours. Ça a fait en sorte que l'achalandage était moins élevé. Tu as dû être déçu. Bien, c'est sûr qu'il y a une déception à l'intérieur de tout ça. On est en arrière, on travaille, je dirais que on travaille toute l'année pour un événement comme celui-là, mais on se retrouve dans une situation où, en plus, les 5 dernières semaines, on est fatigué, on a passé peut-être 22 heures sur 24 au bureau, on veut produire quelque chose d'important et de significatif pour notre communauté. Là, on avait plus de présence en somme pompe qu'en personne, disons-le comme ça. On se retrouve dans des situations assez particulières. On ne veut pas vivre ça constamment. Ça a un impact financier.
financier. Bien, effectivement, là, c'est l'ensemble. Une chance que Buckingham & Fife s'est fusionné à l'Estacade, mais je ne vous cacherai pas que les deux dernières années de Buckingham & Fife ont été difficiles. L'Halloween au village, dans le passé, pouvait aller chercher jusqu'à 5 000 personnes et on fermait le parc des fois parce que c'était comble. On est persuadé que pendant les cinq dernières années, il a fait beau. C'est pas la période de l'année, là. Au mois d'octobre, si on regarde dans Météo Média, là, il y a que trois jours qu'il y a eu pluie. C'est l'heure de Buckingham en fête. Puis il y en a eu comme ça se peut pas. On creusait des digues pour essayer de faire en sorte que la tente d'énergie Brookfield puisse être libérée. C'est ça. Donc, on a travaillé fort. Mais dans ce contexte-là, une chance qu'il y avait les tâches connexes à courir, à essayer de sauver le chapiteau qui était là. Et il y a un élément qui nous a quand même fait sourire, c'était le couronnement de Stéphanie Saint-Jean. Oui. On en a parlé à travers le Québec. Puis c'est un beau moment, c'est-à-dire que les gens, malgré la pluie, pour ce spectacle-là, se sont déplacés, peut-être pas au nombre qu'il aurait dû y avoir, là, mais les gens voulaient voir leur Stéphanie et ça a été notre réussite de cet événement-là. Puis pour cette année, est-ce que vous allez retenter de le faire de Bien, cette façon-là? Il va y avoir festival. Quel fond va avoir le festival? On est en étude stratégique sur la question. Évidemment, c'est une bonne nouvelle, pareil, pour le festivalier, dans le sens où il devra s'autofinancer. La vente de billets ne devra pas rentrer dans le budget. Ceci étant dit, il y a des grosses chances que ce soit gratuit pour toute la famille. Évidemment, après, tout le monde l'a su dans les médias là, que la situation de Buckingham en fête pendant l'été, on a remarqué que 70 % des gens de Buckingham ne sont pas là. Donc, maintenant, il faut prendre une décision. Là, on se pose tout le temps la question, mais pourquoi c'est rendu à l'automne? Puis quand on relance la question aux gens, « Fait combien de temps vous êtes pas venu à Buckingham en fête? » Ah, une dizaine d'années! on a le beau réflexe de dire, mais c'est déplacé à l'automne, mais on se dit, bref, l'Halloween faisait partie d'un élément. Ça va être encore à l'Halloween, ça, on le sait. Ma fête préférée, ça. Bien, je pense que oui, puis pour les enfants, c'est clair que c'est leur fête préférée. Puis il y a une question d'engouement face à ça, puis je terminerai là-dessus, c'est-à-dire que le déguisement, une fois qu'on s'est payé un beau déguisement, que l'enfant est prêt à sortir, bien, ça fait en sorte que ça l'oblige peut-être le parent à venir fêter, mais une fois rendu sur les lieux, il y a autant de plaisir que l'enfant, ça c'est garanti. Vite, en quelques secondes, si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais au Carrefour culturel L'Estacade à la Salle des Jardins? Actuellement, c'est le changement des bancs avec le financement du gouvernement du Québec. Il ne manque que le financement du gouvernement du Québec. On tente d'aller le chercher. On va peut-être déposer un quatrième dépôt. Ça va venir, mais on essaie d'améliorer une infrastructure de l'État et on demande de l'argent à l'État, on souhaite qu'il participe. La programmation de la salle est disponible sur quel site? On fait juste Salle des Jardins. Salledesjardins.ca et nouveau numéro de téléphone, le 819-800-0700. C'est bon. Très simple. Oui, merci beaucoup, Hugo, d'être passé nous voir. Ça me fait plaisir. Bonne fin de semaine. Toi aussi. Alors, c'est tout pour nous. Bonne fin de semaine, mesdames et messieurs. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.